Du coup, ladies and gentlemen, here we are for the Warzone 1. Hey everyone, this is Kairos. What's up? No, say, what's up everyone? This is Kairos. Hope you're doing well today. We are coming back to Warzone 1, Warzone Caldera. Oh, this is amazing. How I miss Verdugo so much. Warzone 2 is a piece of caca now, so you know I can't relive hamburger. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans le coin, mais je suis pas sûr à 100%. Niveau 1001. Bah, il est où? Visiblement, il avait loot dans le coin. Cible désignée pour frappe aérienne. Ici Félix 3, c'est le même? Allez. Je suis pas sûr que ça soit lui, hein. Ah non, effectivement, c'était pas lui. I don't know what... Qu'est-ce que tu dis, toi? Effectivement, ça pouvait pas être le même, parce que je les craque avec la frappe et l'autre, il est arrivé de là. Connaissance en appel. Je tire derrière. Je vais prendre mes armes, comme ça, ce sera fait. Il y a un mec au shop. Oh. Y'a pas une petite plaque qui traîne là? Je suis un peu à la dèche. Ouais. Ouh. Je vais pas tenter le diable. Je trouve des plaques. Voilà, super. Bon, il y a des plaques. Ça, c'est bon. Ah, le SPR à cette distance, c'est compliqué. Ouais. Bah, je prends vraiment le SPR pour le petit challenge personnel, tu vois, mais c'est pas l'arme efficace, quoi. Il y a ses points positifs, tu vois, mais bon, tu sais pertinemment qu'à cette distance, bah, le SPR, c'est pas là où il domine, quoi. Oh, sympa le gars. Eh, good shooting. Après le SPR, voilà. Bon bah écoute, ça peut le faire aussi. On a vu. Elle était belle. Et t'as vu, le gars il a dit good shooting, hein, tu vois. C'est sport, c'est propre. On va passer par là même si c'est risqué. Surtout que j'ai pas de système trophée donc... À tout moment, il y a un RPG qui peut sortir de la fenêtre. Un gars, ça? Non. Des fois, il y a des ombres comme ça au loin, on dirait un peu. Hein. Bon, il va s'avancer un peu là-haut. De toute façon, la zone elle va commencer à se rétrécir de ce côté-là. Il y aurait ça à prendre qui peut être pas mal. Un contrat de prime, prenez-le. Soldat ennemi à proximité. Il va prendre. J'ai bien tenté, Féro, le changement de place, mais... Je suis pas né de la dernière pluie. On va prendre le drone. Mais attends, mais la prime, elle est tout derrière. Elle va arriver en ballon, c'est sûr. Pardon? C'est quoi cette... Non! T'es sérieux? Ah, le salaud! Ah, le salaud! Oh, le salaud! Ah, la grosse merde! Alors l'autre c'était... Ah, il s'est suicidé, hein. Il voulait tellement pas que je le bute et il est resté là. Oh la grosse merde quoi. Incroyable. La voiture pour le coup mais bon. J'ai préféré prendre ça si jamais il y a un bouclier. Parce qu'on sait qu'en solo il y a des boucliers. T'as pas pris la frappe? Mais c'était pas une frappe. C'était un largage de repérage de coffre. Oh non, je suis tout trempé. Le drone commence son survol. Il y a un mec dans la tour. Hein. Ah d'accord. Bon, lui, il a pas fait long feu à la pression, hein. Mama. Une balle à côté et c'est parti. Hein. Et merde. Ah, bien joué. Ah, putain, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter, j'ai réagi après. Pardon? Hein? Et il a pas 13 kills frérot, il en a 2. Son kill dans le goulag, c'est moi, c'est son deuxième. Il avait qu'un kill avant le goulag. Et là ils l'ont aidé de ouf. Ah non mais mec t'as été collé. Oh là là, l'horreur au bouclier le gars. Oh fils de pute, c'est son deuxième kill aussi. Oh, oh là 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 là. Oh. Ah, il reste dans le coin avec son bouclier. Le mec il a 38 000 balles. Niveau 597. Comment ce gars là peut s'amuser? Genre là, il vient à peine de faire son deuxième kill en 20 minutes. 4,25, ouais, c'est pas son ratio, hein, ça doit être la taille de son pénis, ouais. Effectivement. Et en plus, il est dans la zone, l'enculé. Hein. Il a la zone, tu vois, c'est ça qui est... Oh là là. Oh là là. Oh là là, regarde-moi ça, les arguments. Ces fils de pute ont toujours la zone. Il a une para et tout, le gars, il l'utilise même pas. Juste pour le plaisir, on va attendre qu'il crève. Il peut gagner. Là, ils sont que 3. il peut gagner. Et jette une... en fait, il attend que l'autre gagne. Il attend que les deux autres se tapent. Et après, il va acheter deux petites paras, puis il va le tuer comme une pute, quoi. Ah bah vraiment comme une grosse chouin, là, il va faire ça. Regarde, les deux vont se taper, il va arriver, il va full para. L'autre va rien pouvoir faire et il va le tuer. Voilà, regarde, comme une grosse chouin. Ah, ça serait trop bien qu'il se fasse prendre par au-dessus, là. Moi, je veux juste qu'il meure, c'est tout. C'est là que tu te dis, après... ça aurait pu être moi, là, et qui était là au-dessus au snipe et qui sait même pas qu'il y a un... pardonnez-moi l'expression, mais un connard qui est comme ça. Mais je sais pas si on peut appeler ça autrement, tu vois. On peut report pour anti-jeu. Mais tu vois, il essaye même pas, il dit, tu sais quoi, j'attends. Ah, il l'a vu, je crois. Il l'a vu, ouais. Ou pas, en fait. Non, non, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Voilà. Voilà. Il en reste plus qu'un, regarde. Et voilà, ça part. Hein. Voilà. Et il a la zone en plus. Il y a vraiment de la chance que pour les fils de pute. Hein. Il a la zone en plus, c'est un scandale. Ah, il a mis un ballon. Il a mis un ballon, le retournement de situation. Oh! Incroyable, regarde-moi ça. Ouais mais t'as pas rien, sert à rien, trou de balle va. C'était un trou de balle. Il va se faire baiser. Ça se trouve il se fait baiser. Ah non, il a de la chance encore. Oh, oh j'aurais mort de rire un petit dégât de chute ou quoi. Et les rotas par contre, il les a travaillés hein. Il les fait bien. Ah non. Et voilà. Ah chef, chef fils de pute, chef, chef. Oh oui. Oh man.